bon après-midi et bienvenue à ce deuxième match local. Opposant les Gaulois du Cégep, l'Apocatière, à nos gaillards du Cégep de Jonquière, on les accueille. Enfin, un maximum de bruit pour nos favoris. Pour remercier nos précieux partenaires Quentin Gagnon Assurance, Tanguay, La Voix Maltais, Roddy Resto Pizzeria, le Delta Saguenay Hôtel et Centre de Congrès, ainsi que Coca-Cola, et un rappel amical des règles sanitaires qui nous permettent de profiter d'une journée comme aujourd'hui. Il faut circuler avec le masque et garder une distance d'un mètre avec les gens qui ne font pas partie de notre bulle. Et sur ce, on vous souhaite un excellent match. Et encore une fois, on fait du bruit pour nos favoris, les Gaillards! Pour débuter la partie, les Gaillards vont recevoir le ballon. Et le ballon est botté à l'extérieur du terrain, ce qui est illégal.
Il y aura donc une pénalité et l'offensive des Gaillards s'amènera sur le terrain avec un bon positionnement. La première séquence offensive du match des Gaillards. Premier essai, 10 à faire à la ligne de 40. Et quel bonjour, mesdames et messieurs! Le ballon est capté par le numéro 4, le vétéran Matteo Collot, premier joueur Gaillard! Et le ballon est porté par le numéro 7, Redval Keita. Ça semble être tout près d'un premier jeu. Et oui, on a la confirmation des officiels. Premier jeu, Keita! Le ballon est à nouveau remis au porteur, le numéro 7, Redval Keita, qui gagne quelques verges sur ce jeu. Deuxième essai. Et 8 verges à faire. Et la passe est malheureusement incomplète, tentée vers le numéro 19, Jean-Guy Girard. Très bonne réaction du côté de la défensive. Troisième essai, 8. Passe incomplète, quatrième essai. L'unité de beauté de placement s'amène sur le terrain. Et le boté est bloqué. Très bonne réaction du numéro 23, Charles-Antoine Gay, pour le plaquer. Ce qui met fin à la séquence. Il y a un mouchoir sur le jeu. Pénalité contre les Gaulois. Une fois le boté bloqué durant le retour, on a fait une faute, on recule et ce sera premier essai 10 pour la Pocatière. Première séquence défensive du match, on a besoin de la foule, on a besoin de lui, on encourage la défensive! Excellente réaction, le numéro 51 et le numéro 92 qui combinent leurs efforts. Philippe Tremblay et Léon Fleury-Bélanger.
Raquet pour perte, deuxième essai long. Et on fait un maximum de bruit pour les gaillards! Passe tentée vers le numéro 24 des Gaulois, c'est incomplet, troisième essai. Et long. Et une bonne partie des profits d'aujourd'hui seront remis à Centraide. Vous voyez mes collègues qui sont en train d'installer la bannière. Un chèque sera dévoilé au cours de la partie. Alors, une grande partie des fonds amassés aujourd'hui seront remis à Centraide. On vous remercie de votre présence et de votre grande générosité. Et excellente couverture encore une fois du côté des Bleus. Le porteur n'avait nulle part où aller. Une légère perte de terrain sur ce jeu. Troisième essai. Un gros troisième essai. Le positionnement est à l'avantage des Gaillards. Quand ça va siffler, on veut entendre un maximum de bruit jusqu'au temps que le ballon lève. On se prépare. On tape des pieds, on crie, on fait aller les trompettes. On fait du bruit pour la défensive! Excellente réaction et grande ténacité du numéro 9, Ulysse Delaporte. Gros jeu sur cette séquence, quatrième essai pour les Gaulois. Et la défensive qui ne cède rien en début de match. Et les Gaulois concèdent le toucher de sûreté. Et les premiers points du match sont inscrits. La marque est maintenant de 2 à 0 pour les Gaillards. Gaillard qui décide de recevoir un botté. Ils auraient aussi pu là, reprendre le ballon à leur 35. Ils font confiance à leur unité de retour. Et au retour, le numéro 11, Enzo Di Ulu, la recrue. Très bonne réaction. Il sécurise le ballon et gagne plusieurs verges. Et l'offensive des Gaillards s'amène pour une deuxième fois dans le match. Don't believe me, just what I...
Et le ballon est porté par le numéro 7, Redval Keita. Très bon gain sur ce jeu. Il traîne son adversaire sur quelques verges. Un gain de 5 verges. Deuxième essai et 5. Et passe captée par le numéro 4, Matteo Colomb, qui provenait du corps arrière Olivier Lefebvre. Ce sera à court du premier jeu. Troisième essai, 2 à faire. Premier jeu gagnant! Le ballon a été porté par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis, qui gagne beaucoup plus que le premier jeu. Olivier Lefebvre qui conserve le ballon. Il y a un mouchoir sur le terrain. Attendons voir la décision des officiels. Tout porte à croire que c'est pour avoir retenu du côté des Gaillards. On va reculer 10 verges et reprendre le premier essai. Cafouillage sur la dernière séquence. Bonne réaction du corps arrière. Deuxième essai. On recule d'une verge ou deux. Passe tentée vers le numéro 87, William Fortin. C'est incomplet, troisième essai et un peu plus de 20 verges à faire. Pénalité sur le jeu, on a bougé trop vite. Contre les Gaillards, on va reculer de 5 verges et reprendre le troisième essai. Conservateur, on court en plein centre avec notre porteur de ballon. Quatrième essai, l'unité de beauté dégagement s'amène sur le terrain. Et on vous remercie de respecter les quelques règles sanitaires qui nous permettent de profiter d'une belle journée comme aujourd'hui. On circule avec le masque et on garde une distance d'un mètre avec les gens des autres bulles. Et le ballon est recouvert par le numéro 2 des Gaillards qui se trouve avec le moteur. Attendons voir la décision des officiels. I'm on fire,
Et c'est un premier jeu du côté des Gaillards. L'arbitre en chef nous l'annonce. Très belle réaction de Samuel Paquette-Louis, le botteur, qui était le seul joueur à pouvoir recouvrir le ballon. Et c'est ce qu'il a fait. Premier jeu, Gaillards! Excellente course, mesdames et messieurs, du numéro 7, Red Valqueta, qui profite et qui lit de très bons blocs pour gagner le premier jeu. Premier essai, Gaillard! Passe tentée vers le numéro 4, Matteo Colon. C'est un peu trop long, c'est incomplet. Deuxième essai, 10. Excellente course du numéro 2 des Gaillards, Samuel Paquette-Louis, qui à son tour profite d'excellents blocs. Un gain de 8 verges, troisième essai 2. Et c'est bon pour un premier jeu, Gaillard! Ce sera donc premier la zone des buts pour l'offensive des Gaillards et qui menace à nouveau. Bonne réaction défensive du côté des Gaulois au plaqué le numéro 2. Perte de terrain, deuxième essai et les buts. La passe est incomplète. Il y a un mouchoir qui a été lancé là, profondément dans la tertiaire. Attendons voir la décision des officiels. We'll be right back.
pénalité contre les Gaulois de Rudess. On amène le ballon à la portée des buts, à la ligne de 1. Premier essai, Gaillard! Pénalité contre les Gaillards. On recule le 5 verges et on reprend l'essai. Premier essai, les buts à la ligne de 6. Ballon porté par le numéro 7, Redval Keta. Bonne réaction défensive, entre autres de la part du numéro 43, Rémi Jonca. Transformation est réussie par le joueur très polyvalent, le numéro 2, Samuel Paquette-Louis. La marque est maintenant de 9 à 0 pour nos Gaillards!
Et au retour du côté des Gaulois, Émile Bélanger. Très belle couverture des Gaillards. Et la défensive s'amène à nouveau sur le terrain. On va avoir besoin de la foule la plus bruyante de la division Nord-Est. On va avoir besoin de vous pour encourager nos Gaillards. Et on surveille l'officiel avec la casquette blanche et dès qu'il s'est fait, on fait du bruit! Et la passe est incomplète, tentée vers le numéro 24. Le ballon est porté du côté des Gaulois par le numéro 7, Simon-Pierre Pétier. Très bonne réaction de la part de la défensive. Ce sera troisième essai. Un gros troisième essai pendant ce match. On va avoir besoin de la foule. On se prépare à faire un maximum de bruit pour les Gaillards! Passe tentée vers le numéro 24, c'est incomplet. Zach Lafrance, et il y a une pénalité dans le champ arrière. Attendons voir la décision des officiels. Est-ce qu'on a rudoyé le corps arrière du côté des Gaillards? Pénalité. On va rudoyer le corps arrière, on avance de 15 verges, premier essai 10 pour les Gaulois. Et on se prépare à faire du bruit, on veut entendre du bruit jusqu'au temps que le ballon lève, on fait du bruit pour les Gaillards! Et très belle passe tentée vers Zach Lafrance dans l'extérieur. C'est incomplet. Deuxième essai 10. Et la foule, vous êtes incroyable. On aime ça l'ambiance que dans ce stade-là. La foule la plus bruyante de tout le Québec. On se prépare à faire du bruit jusqu'au temps que le ballon lève. On encourage la défensive. Et bonne réaction du côté de la défensive. On fait rentrer le jeu à l'intérieur et les coéquipiers terminent le travail. Troisième essai, un gros troisième essai. On se prépare à faire un max de bruit. Dès que ça siffle, on veut du bruit, on tape des pieds, on veut entendre les trompettes, on veut que ça crie. Let's go! Et la passe est incomplète! Quatrième essai! Excellente prestation de la part de la foule! Vous êtes incroyable! Au retour, le numéro 88, le vétéran Cédric Plourde,
qui sort en touche. L'offensive des Gaillards s'amène sur le terrain. Ballon porté par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Un gain de 2 verges, deuxième essai, 8. Passe captée par le numéro 4, Matteo Colon, qui profite d'un excellent bloc du numéro 3, Simon Racine. Et c'est bon pour un premier jeu, Gaillard! Qui profite d'excellents blocs et qui va chercher un peu plus de 10 verges. Excellent jeu, passe captée par le numéro 87, William Fortin. Très belle passe du numéro 8, Olivier Lefebvre, le carrière. Et c'est bon pour un autre premier jeu, mesdames et messieurs. Le ballon est à nouveau capté par le numéro 87, William Fortin. Il y a un mouchoir sur le jeu. Locura, morena, traía.
rockers. And if you roll, I'm a rocker. Shout out to all my high school sweethearts that used to hide all my work in their lockers. Thank you. Tell me if it's you plus two, that's cool, as long as they're cool. You know what I mean? And if they are, let's live out a dream. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Chrono, 15 minutes. Merci. Alors, pénalité contre les Gaillards. Deuxième essai est long à faire. Très belle course du numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Il gagne environ 10 verges. Troisième essai long. La passe est interceptée du côté par les Gaulois, le numéro 28, Samuel Blouin. Pénalité sur le jeu après l'interception. Yeah.
la pénalité contre les Gaulois. On va reculer le positionnement du ballon un peu plus profond dans leur territoire. Le résultat, c'est que la défensive des Gaillards est présentement sur le terrain et que là, on va entendre un maximum de bruit. Là. Dès que ça va siffler, jusqu'à ce que le ballon lève, on va entendre du bruit pour les Gaillards! Et excellente réaction du côté de la défensive. Le numéro 23, Charles-Antoine Gay. Je profite de ce petit instant pour introduire mon collègue et ami Guillaume Charest qui se dirige devant les estrades là, des partisans de Jonquière. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes en forme? Donc, encore une fois, je vais avoir le mandat de faire l'animation de la mi-temps. J'ai trouvé des nouveaux ballons. Ceux qui étaient là la dernière fois, on avait lancé des ballons et je me suis fait prendre mes ballons. Mais c'est pas grave, on en a trouvé des nouveaux. Je reviens dans quelques minutes. Et on fait du bruit pour la défensive! Et belle course numéro 7. Les Gaulois, Simon-Pierre Pelletier, c'est bon pour un premier jeu. Il gagne environ 13 verges. Donc, rapidement, je vais lancer 3 ballons. Je me suis fait encore interrompre. Et on y va du côté des Gaulois avec une passe voilée au numéro 7, Simon-Pierre Lefebvre. C'est bon pour un autre premier jeu. Pelletier, pardonnez-moi. Continue d'être excellent du côté de la foule. On fait un maximum de bruit pour la défensive jusqu'au temps que le ballon lève. On veut vous entendre! Excellente réaction de Philippe Tremblay, le vétéran, le numéro 92. Perte de terrain, deuxième essai. Et on a besoin de la foule, on va entendre du bruit, on fait un max de bruit pour les Gaillards!
Très beau travail d'équipe du côté des Gaillards, entre autres du numéro 9, Ulysse de la Porte. Ce sera donc un troisième essai, un gros troisième essai. On a besoin de tout le monde, là. Dès que ça siffle jusqu'au temps que le ballon lève, on veut entendre un maximum de bruit. Et petit message de notre personne responsable des moitiés-moitiés. Dans 5 minutes, on ferme les moitiés-moitiés. Donc, c'est le temps d'y aller. N'oubliez pas que la partie d'aujourd'hui est au profit de Centraide. On encourage la défensive! On semble avoir bougé trop vite du côté des Gaillards. Attendons voir la décision finale. Donc, le temps de replacer le ballon. Et oui, donc, trois ballons que je vais lancer dans l'estrade. Dès que vous attrapez le ballon, vous allez venir à la mi-temps me trouver. Allez, un gros troisième essai, un peu de bruit! Encore une fois, un excellent jeu du numéro 9, Ulysse de la Porte, qui en plus d'effectuer le plaqué, provoque l'échappée. Et c'est un premier jeu gagnant. Sur cette belle réussite, je lance le premier ballon. Quel estrade, je commence. On commence par ici. Chance que le défi c'est de lancer un ballon et non l'attraper. On va essayer ce compte ici. Pénalité du côté des Gaillards. On recule le 5 verges, on reprend le premier essai. Premier 15. Le ballon est porté par le numéro 7, Redval Keita, un gain de 3 verges, 4 verges. Deuxième essai, 11. Le ballon presque intercepté par le numéro 28, Samuel Blouin, qui a effectué son deuxième larcin aujourd'hui. Paul Gilbert qui en plus de réceptionner le ballon, Carl est pris en touche. C'est bon pour un premier jeu gagnant. Sur ce premier jeu, est-ce que l'estrade ici voulait gagner des prix? Ballon porté par le numéro 2, Samuel Paquet-Louis, en plein centre. C'est un très bon gain, un 5 verges, 4 verges, 4 à 5 verges, deuxième essai, 5.
Bonne réaction défensive. Porteur n'en a pas roulé. Troisième essai. Excellente main du numéro 19, Jean-Guy Girard. C'est bon pour un premier jeu. Passe à nouveau tenté vers Jean-Guy Girard. C'est incomplet. Deuxième essai, 10. Ce serait la mort quand tu crois enfin que tu t'en sors. Quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Et ça c'est les problèmes bien la musique, ça te prend les tripes, ça te... Et oui, on a bougé trop vite du côté des Gaulois. On avance le ballon de 5 verges. Deuxième essai, 5. Optionne la défensive et le numéro 8 qui s'échappe, Olivier Lefebvre, et qui passe au numéro 84, Paul Gilbert. C'est bon pour un premier jeu, Caillard! Excellente course de Samuel Paquette-Louis. Il y a un mouchoir en fin de séquence. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Plusieurs choses se feront pendant la mi-temps. Premièrement, le moitié sera tiré. Également, on va remettre un chèque à Centraide, on va dévoiler le montant. Et dernière chose, on va faire le concours. Vous risquez de gagner 150$ de chez UV pour les bras les plus précis. Reste un ballon à lancer, on va le lancer un petit peu plus tard. Également, pour il risque de gagner un 25$ de chez Petro-RL. Et pour ceux qui vont lancer sur Dave McMullen, vont gagner un leech et une gourde des Gaillards. Et on peut applaudir le joueur qui retourne au banc. Il y avait une pénalité de rudesse contre les Gaulois en fin de séquence. Premier essai et les buts à la ligne de 1 du côté des Gaillards. Sur une distance d'une verge par le numéro 7, Redman Akita! Et la transformation.
Samuel Pocket Louis. On ajoute un point. Et la marque est maintenant de 16 à 0 en faveur des Gaillards. Et on en profite pour remercier nos précieux commanditaires, l'imprimeur Brod Promo Chic, l'Association Générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Jonquière, la Ville de Saguenay, les Caisses des Jardins, IGA Saint-Hubert, la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière, ainsi que M. Sylvain Godreau, député de Jonquière à l'Assemblée nationale du Québec, pour le Parti québécois. Et encore une fois, un énorme merci de respecter les règles COVID, soit de circuler avec un masque et de rester à un mètre de distance des gens qui ne font pas partie de votre bulle, sinon on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et au retour du côté des Gaulois, le numéro 24, Isaac Lafrance, bonne couverture. La Pocatière reprendra le ballon à l'heure 37 environ, 38. Juste devant nos estrades, on se prépare. On va avoir besoin d'encouragement. Et jusqu'à ce que le ballon lève, on veut entendre un maximum de bruit! Et la pression était très forte du côté des Gaillards. Au grand plaisir du numéro 51, Léo Fleury-Bélanger. On échappe le ballon, c'est recouvert du côté des Gaulois. On perd du terrain, deuxième essai est long. Et c'est sifflé, on encourage la défensive! La passe est incomplète, ce sera donc troisième essai, 15 à faire. Un gros troisième essai avec 5 minutes 50 à faire avant la mi-temps. Est-ce que l'estrade ici est prêt? Je veux entendre un maximum de bruit! Et la passe est incomplète, ce sera donc quatrième essai long. L'unité de beauté dégagement du côté des Gaulois s'amène sur le terrain. Et au retour, le numéro 88, Cédric Plourde, et au plaqué, le numéro 24, Isaac Lafrance. Olé, 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 olé
Ballon porté par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Un bon gain en plein centre. Deuxième essai. Deuxième essai 6. La passe est un peu trop longue, c'est incomplet. Troisième essai. Incomplète quatrième essai. Les Gaillards seront forcés de dégager. C'était tenté vers le numéro 84, Paul Gilbert. Excellente couverture du côté des Gaillards. Et la défensive s'amène avec un bon positionnement sur le terrain à l'intérieur du 20. Et avec 3 minutes 45 à faire avant la mi-temps, la marque est toujours 16 à 0 pour les Gaillards. Passe captée par le numéro 80, Jacob Chatigny. Et Xavier Bergeron s'assure qu'il quitte en touche. Deuxième essai 5. On va entendre un maximum de bruit pour la défensive! Capté par le numéro 24, Isaac Lafrance. C'est
C'est bon pour un premier jeu et on appelle le temps mort des 3 minutes. Every day I'm shuffling. Ballon capté par le numéro 24 des Gaulois, Isaac Lafrance, deuxième essai et 7 verges, 6 verges. C'est sifflé, on veut entendre du bruit, on encourage la défensive jusqu'à ce que le ballon lève, on fait du bruit! Très bon travail du front offensif des Gaillards! Et le porteur des Gaulois n'a nulle part où aller! Plaqué pour perf, troisième essai! Un gros troisième essai! On encourage la défensive! Excellent travail encore une fois du front défensif qui ne concède rien. Quatrième essai, les Gaulois devront dégager. Mouchoir sur le terrain, encore une fois au plaqué, le numéro 24, et au retour, Cédric Plourde, numéro 88. Le beauté dégagement. On recule le positionnement du ballon pour les Gaulois et on leur demande de reboter. Au contraire, on avance le positionnement du ballon pour les Gaulois et on rebote.
Et avec 1 minute 3 secondes à faire au deuxième quart, l'offensive des Gaillards s'amène sur le terrain. La marque est toujours 16-0 en faveur des Gaillards. N'oubliez pas qu'à la mi-temps, il y aura de l'animation sur le terrain. On a une cantine au centre des deux estrades. Et très belle course effectuée par le numéro 7, Red Ball Keta. Il gagne plusieurs verges. Et on vous remercie de circuler avec votre masque lors de la mi-temps dans vos déplacements. Donner une main d'applaudissement au numéro 20 des Gaulois. Excellent jeu, le ballon capté par le numéro 87, William Fortin, qui se relève sans broncher, et c'est bon pour un premier jeu, Gaillard! Et il y aura un mouchoir sur le terrain! Attendons voir la décision finale des officiels. Une pénalité pour chacune des équipes. Résultat final, premier essai 10 à faire. Passe tentée vers le numéro 19 des Gaillards, Jean-Guy Girard, c'est incomplet. Il reste 31,5 secondes à faire au deuxième quart. Deuxième essai, 10!
Passe interceptée par le numéro 23 des Gaulois, Félix Marois. Bonne réaction du côté des joueurs des Gaillards pour limiter les dégâts. 18 secondes, 0.5 à faire, la marque toujours de 16-0. Une pénalité s'est ajoutée. On avance encore pour les Gaulois. Moment important de cette première demi. On va avoir besoin d'un maximum de bruit. La foule Jonquière. On se prépare. On encourage la défensive. Et la passe est incomplète. Deuxième essai 10. Les sifflets ont fait un maximum de bruit pour les Gaillards! Et on conserve le ballon au niveau du corps arrière des Gaulois. Très bonne réaction de la défensive! Le numéro 12, Philippe Lauzon-Gingras. Troisième essai, 7. Temps mort demandé. La passe est incomplète. Quatrième essai. Un peu moins de 3 secondes à faire et l'unité de beauté de placement semble s'amener sur le terrain du côté des Gaulois qui tenteront d'inscrire leur premier point du match. On va avoir besoin de la foule du côté des Gaillards. Jusqu'à ce que le ballon lève, on va vouloir entendre un max de bruit. On surveille l'officiel avec la casquette blanche. Ça va siffler, on se prépare. On veut entendre un maximum de bruit pour les Gaillards! Et le voté de placement est réussi. C'est ce qui met fin au deuxième quart. Et la marque est maintenant de 16-3 pour les Gaillards. On peut applaudir les deux équipes et on vous souhaite une très belle mi-temps. Like me.
Alors les chanceux qui ont gagné les ballons, vous pouvez descendre de l'estrade et venir me trouver ici. Une générosité sans borne du cégep de Jonquière. Une partie des profits, ou même la majorité des parties, vont à Santaide. Donc, M. Thibault, directeur général du cégep de Jonquière, remet à M. Dave McMullen, qui est des directeurs de... Non. Représentant de Santaide, donc, pour la somme de 1 000 $. Donc, on peut s'applaudir d'avoir donné une belle somme à Santaide. Merci tout le monde! Donc, sur cette belle température, c'est maintenant le temps de voir nos trois concurrents. Qui a eu le premier ballon? C'est M. Martin, un professeur de la commission scolaire de la Jonquière. J'ai enseigné avec lui. Très bon professeur. Donc, je vous explique le concept. Vous avez trois cibles. La première cible ici, c'est M. Dave McMullen, vous l'avez tous reconnu. Si vous lancez le ballon sur l'affiche, sur la cible de Dave McMullen, vous avez des articles promotionnels du Cégep de Jonquière des Gaillards. Si vous décidez de viser, non pas sur M. Marc-André ici, mais sur la cible, vous gagnez 25 $ de pétrole RL. Mais, pour ceux qui ont un bras et un visou de feu, vous pouvez viser votre coach et conseiller à la vie étudiante en sport, François Laberge. Si vous avez sur la cible, vous gagnez 150 $ de chez UV. Donc, qui commence le défi? Donc, M. Martin, êtes-vous prêt? On prend pas le petit ballon, on prend les gros ballons qui sont dans la poche, bien sûr. Pour les hommes, je vous demande de partir à partir de la sphère. Et oui, c'est important de dire, si vous choisissez de lancer sur une cible et vous l'avez, vous gagnez le prix et votre tour finit et vous avez 3 chances. Donc logiquement, on essaie la plus loin, plus proche, jusqu'à temps avoir la plus proche. On y va all-in, on va le plus loin possible. Donc Martin, quelle cible tu nous vises? La première! Est-ce que vous voulez qu'il aille plus loin? Donc, est-ce qu'il dit qu'il va aller voir? Est-ce qu'on le fait avancer un petit peu?
Est-ce qu'on peut avancer jusqu'à la ligne blanche? Jusqu'à la ligne jaune? Alors, à la ligne blanche, Martin, au moins vise la deuxième cible. Donne-toi un pas d'élan. Et non, on peut aller chercher un autre ballon. Je pense que Martin a besoin un peu d'encouragement. Je pense que ça va l'aider. Comme un gaillard a besoin d'encouragement. Et Martin, c'est parti! Et non, donc est-ce qu'on va pour les articles promo gaillard? Ouais! Il vise directement sur la cible de Dave McMahon. Je vais juste rester ici, je vais donner des cadeaux tout de suite après. Reste ici. Donc, le prochain concurrent, c'est monsieur ici, votre nom? Monsieur Carl Bouchard. Est-ce qu'on le fait avancer un petit peu ou on lui donne un petit peu de difficulté à partir? Est-ce que vous avez un bon bras? Monsieur n'a pas de bon bras, on peut le faire avancer un petit peu. Si ça crie, moi je vais le faire avancer. Oh, on va le faire avancer un petit peu à la ligne blanche ici. Donc, qu'est-ce qu'on vise? Le 150$? Oh, avec le 150$, on veut de l'encouragement! Hey! Il était plus proche sur la deuxième que la première. Est-ce qu'on restait le coup pour la plus loin? Encore une fois. Et c'est parti! Et non, malheureusement, est-ce qu'on va pour les articles promo des gaillards? Et il brise la fiche! On va lui donner pareil. Donc, merci, monsieur Carl. Restez ici, je vais vous donner vos cadeaux après. Donc, votre nom? Marie? Donc, Marie! On peut prendre un ballon ici. On a trois ballons. Donc, est-ce qu'on la fait avancer un petit peu? Oui! Moi, si j'entends encourager, je la fais avancer! Avance, avance! Plus le monde crie, plus je la fais avancer! Plus ça crie, plus je la fais avancer! OK, stop! Faut pas tricher quand même! Donc, qu'est-ce qu'on vise? Au deuxième, donc, la cible de Marc-André, c'est parti! Et non, malheureusement, et oui, si elle fait un bond et qu'elle touche la fiche, ça ne compte pas. C'est parti pour une deuxième tentative. Et non, on va-tu pour les articles promo? Et c'est parti! Ouais! Donc, les trois personnes partent avec les articles promotionnels des gaillards. Maintenant, sortez vos moitié-moitié! Donc, est-ce que vous avez sorti vos moitié-moitié? Je vois l'ancien conseiller à l'éveil étudiant. On va lui demander de venir piger le moitié-moitié. Et ça donne bien, il y en a. Fait que s'ils gagnent, ils ne gagneront pas. Le montant officiel, c'est $179.50. Donc, le numéro magique. On commence avec le 3, le 7, 4, 7, 7. J'ai-tu dit 2?
2 fois 7. Je suis rendu au troisième set et 5. Donc, 3, 4, 3, 7, 4, 7, 7, 7, 5. Ah, il y a beaucoup de 7 dans ce chiffre-là. Donc, je répète pour une deuxième fois. 3, 7, 4, 7, 7, 7, 5. On a gagné! Non! Donc, on fait un défi. Si tu réussis d'arriver sur la cire, je te donne ton argent. Donc, bravo à Martin. C'est sa journée. C'est sa journée. Va t'acheter un 649 et tu le partages à tout le monde. Donc, merci tout le monde et bonne fin de match! Thank you.
No debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took you back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, you a leaper with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave me far, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. Alors que s'effectuent les derniers préparatifs pour amorcer le troisième quart, j'en profite pour remercier nos précieux partenaires qui nous permettent de vivre des moments comme aujourd'hui, soit Quentin Gagnon Assurance, Tanguay, La Voix Maltais, Rodi Resto Pizzeria, le Delta Saguenay Hôtel et Centre de Congrès, ainsi que Coca-Cola. Et on vous remercie, vous, de respecter les quelques règles sanitaires, soit de circuler avec un masque, et de rester à un mètre des gens qui ne font pas partie de votre bulle. On vous souhaite une excellente deuxième partie de match. La marque 16-3 en faveur des Gaillards.
Au retour, le numéro 80, Jacob Chatini. Il ramène le ballon tout près du 35 en territoire des Gaulois. Et la défensive s'amène sur le terrain. Ce match-là n'est pas terminé. On va avoir besoin du 13e joueur. Est-ce que la folle de Jonquière est ici aujourd'hui? On fait du bruit pour la défensive! Et c'est incomplet, troisième essai. Tourne en ce troisième quart. Gros troisième essai. On va vouloir entendre du bruit jusqu'au temps que le ballon lève. On veut entendre le 13e joueur. On fait du bruit pour les Gaillards. Et c'est un peu trop long. Aucun mouchoir sur le terrain. Quatrième essai. Les Gaulois devront dégager. On peut applaudir la défensive des Gaillards. Au retour, le numéro 1, Félix Tremblay. Pénalité sur le jeu. Ballon porté par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Deuxième essai, 5. Le ballon est à nouveau porté par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Et c'est bon pour un premier jeu, Gaillard! Quelle course, mesdames et messieurs, du numéro 2, Samuel Paquette-Louis! Qui gagne le premier jeu?
Et désolé pour l'anglicisme, mais avec un spin move effectué à la perfection. La passe est incomplète. Un mouchoir tardif sur la séquence. Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. La pénalité est contre les Gaillards. On recule le diverge et on reprend le premier jeu, premier essai 20. Ballon porté par le numéro 7 des Gaillards, Red Ball Keta. Un gain de 7 verges, deuxième essai, et 13. Passe tentée vers le numéro 80 des Gaulois, c'est incomplet. Deuxième essai, 10 à faire. Et on se prépare à faire un maximum de bruit pour la défensive des Gaillards! On y va avec une passe volée du côté des Gaulois. Excellente réaction de Mathis Simard, le secondaire, le numéro 55. Aucun gain sur ce jeu. Troisième essai, 10. Gros troisième essai jusqu'à ce que le ballon lève. On veut entendre un max de bruit!
se tenter vers le numéro 24. Numéro 24, Isaac, la France est incomplète. Quatrième essai, 10. Une difficulté au niveau de l'exécution. Pour le botté, il n'y aura pas de botté. Et l'offensive des Gaillards s'amène sur le terrain avec un excellent positionnement. Au 50 en territoire des Gaulois. Et la défensive est intraitable. Ballon capté par le numéro 19 des Gaillards, Jean-Guy Girard. Très bon gain sur cette séquence. Deuxième essai. Deuxième essai, 5 verges à faire. Et le ballon est porté par le numéro 7, Redval Alqueta qui s'évade hors l'aile. Et c'est bon pour un premier jeu, Gaillard! Belle réaction du côté de la défensive des Gaulois. Court gain. Deuxième essai. Passe incomplète tentée au numéro 84, Paul Gilbert. Troisième essai, 9 verges à faire. Ballon remis au numéro 2, Samuel Pocket-Louis. Et le front défensif des Gaulois qui dit non. Quatrième essai. Solide plaqué du numéro 2, le botteur Samuel Pocket-Louis.
passe captée par le numéro 24 des Gaulois, Isaac Lafrance. C'est bon pour un premier jeu. On est juste devant du 13e joueur des Gaillards. Dès que ça siffle, on veut entendre un maximum de bruit pour la défensive. Et la passe est incomplète. Deuxième essai, 10. Très belle réaction de la défensive, le numéro 25, le secondaire, Mathis Tremblay. Troisième essai! On veut entendre un max de bruit jusqu'au temps que le ballon lève, le 13e joueur. On encourage les Gaillards! Le ballon à nouveau capté par le numéro 24, Isaac Lafrance. Et on veut entendre un maximum de bruit, on encourage la défensive! Et la passe est incomplète, deuxième essai, 10! No 5 minutes 22 à faire au troisième quart. La marque est toujours de 16 à 3. Et c'est maintenant le moment de faire du bruit pour les Gaillards. Pénalité sur le jeu. Pénalité contre les Gaillards. Allez, on va entendre du bruit de tout le monde, on encourage les Gaillards, let's go! La passe est incomplète. Tenté vers le numéro 24. Isaac Lafrance, deuxième essai, 10. Une grosse séquence en défensive en ce moment qui se déroule, on a besoin de tout le monde, on veut que tout le monde encourage
on tape des pieds, on saute dans nos trompettes, on crie, on fait du bruit jusqu'à ce que le ballon lève. On fait du bruit pour la défensive. Courage le défensif, c'est sifflé, on fait du bruit! Et la pression était très forte et la passe est interceptée! Le numéro 33 d'Éric Martel qui effectue l'interception. Le ballon est porté en plein centre. Une course très physique de Red Ball, Keta, le numéro 7. Deuxième essai. Et la passe est captée par le numéro 19 des Gaillards, Jean-Guy Girard. Troisième essai. Et court à faire pour les Gaillards. Très belle course du numéro 7, Red Ball Keta. Il y a un mouchoir dans le champ arrière. Malheureusement, la pénalité est contre les Gaillards. On va reprendre le troisième essai. À la moitié de la distance des verges. Bonne réaction en défensive du côté des Gaulois. Quatrième essai. L'unité de beauté de dégagement des Gaillards s'amène sur le terrain. Et l'organisation du Cégep de Jonquière vous remercie pour le respect des règles sanitaires, soit de porter le masque dans vos déplacements, ainsi que de respecter une distance d'un mètre avec les gens qui ne font pas partie de votre bulle. Merci beaucoup.
Et on décide de concéder le 2 points du côté des Gaillards afin d'obtenir un meilleur positionnement sur le terrain. Alors, la marque est maintenant de 16-5 en faveur des Gaillards avec 2 minutes 5 à faire au troisième quart. Au plaqué, le numéro 87, William Fortin. J'aimerais trop qu'elle m'aime. Et au retour, le numéro 80 des Gaulois, Jacob Chantilly. Elle ne veut pas, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Mademoiselle Valérie, oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Alors les îles, mademoiselle est belle, elle me rend tellement folle. On va avoir besoin du 13e joueur cette partie-là, mais pas terminé. C'est sifflé, on fait du bruit, on encourage la défensive! Et la passe est incomplète, 2e et 5-10! On va vouloir entendre la foule la plus bruyante du nord-est du Québec, le 13e joueur des Gaillards. On se prépare dès que ça siffle jusqu'au bac, le ballon lève. On stoppe les conneries là. Mais comment tu parles à ma sœur? J'aimerais trop qu'elle m'aime. On s'en va siffler, on se prépare. On fait du bruit pour les Gaillards! La passe à nouveau tentée vers le numéro 24. Isaac Lafrance est incomplète. 3e essai 10. Un gros 3e essai. En cette fin de 3e quart, on a besoin de tout le monde. On tape des pieds, on fait du bruit. On encourage la défensive. Et la pression était très forte! Le numéro 93, Mike D. Yamona au plaqué! Perte de terrain, 4e essai! Le beauté de dégagement sort en touche. L'offensive des Gaillards s'amène sur le terrain avec un bon positionnement au 41 en leur territoire. Un premier essai 10 à faire pour les Gaillards. Très belle course, cependant il y a un échappé
revirement, les Gaulois reprennent la possession du ballon. Premier essai 10 pour les Gaulois à leur 51. Passe tentée. Au numéro 1 des Gaulois, c'est incomplet. Deuxième essai, il y a un mouchoir sur le terrain. La devise, la fille est emplie de surprise. Personne t'entend, personne ne peut t'arrêter quand tu vis de rêves et de terre promise. Maintenant, y'a des hauts, y'a des bas, y'a des bons et des faux, pas du bif et des coups bas. Crois-moi, ça en vaut la peine. It's for the love of the game, c'est le cœur qui t'appelle. Pénalité contre les Gaulois. On recule de 15 verges. Premier essai et 25. Nombre de fois où j'ai testé ma vie, j'ai poussé à la limite le succès pour mon âge. J'ai fixé dans ma rage, j'ai prié dans ma cage. Et on se prépare. Quand ça siffle, on veut un maximum de bruit. C'est possible. Ça n'était pas sifflé, on va reprendre le jeu. Vas-y, ouvre le champagne. Disons que c'est la vie qui nous gâte pour avoir trop de fois voulu nous briser les pattes et c'est bien. C'est la preuve qu'on avance, qu'on amasse les récompenses pensant avoir demain. Qu'on est fier du passé mais qu'on vit pour l'avenir en n'oubliant jamais d'où on vient. Pouvoir aider le fond. Et siffler, on encourage la défensive. Passe captée par le numéro 80 des Gaulois, Jacob Chatilly. C'est la fin du troisième quart. La marque est toujours de 16 à 5 en faveur des Gaillards. Il reste maintenant 15 minutes à faire au match. C'était tout près de l'action pour provoquer l'échappée. L'offensive s'amène sur le terrain avec un excellent positionnement. Au 51, encore une fois, en territoire des Gaulois. Et j'en profite pour remercier nos précieux partenaires, l'imprimeur Broad Promo Chic, l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Jonquière, la ville de Saguenay, les Caisses des Jardins, IGA Saint-Hubert, la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière, ainsi que M. Sylvain Godreau, député de Jonquière à l'Assemblée nationale du Québec pour le Parti québécois. On vous remercie.
Très belle course du numéro 7, Redval Keta, qui gagne en 6 et 7 verges environ. Deuxième essai. Passe tentée vers le numéro 3, Simon Racine. Ça s'est failli de peu. Il y a un mouchoir dans la tertiaire. Attendons voir la décision des officiels. La pénalité contre les Gaulois, c'est donc un premier choix. Et c'est bon pour un premier jeu! Gaillard! Redval Keta qui découpe la défensive de le chirurgien et qui gagne tout près de Bainberge! Le ballon est à nouveau remis au numéro 7 des Gaillards. Il y a une pénalité sur le jeu. Et le ballon est porté par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Un bon gain sur ce jeu, au moins 5 verges. Deuxième essai et les buts. Ballon porté par Samuel Paquette-Louis, le numéro 2 des Gaillards. Encore un très bon gain et on se rapproche de la zone des buts. Troisième essai. Troisième essai.
ballon conservé par le corps arrière, Olivier Lefebvre. Quatrième essai, l'unité de beauté de placement s'amène sur le terrain. On a mis trop de temps à mettre le ballon en jeu du côté des Gaillards. On va reculer et reprendre la beauté. Gonna get a ride to your boyfriend and meet me at the hotel room. De placement est réussi, ce qui porte la marque à 19 à 5 pour les Gaillards. Passe tentée vers le numéro 88 des Gaulois, c'est incomplet. Il y a une pénalité dans le champ arrière. On a retenu du côté des Gaulois. On va reculer de 10 verges et reprendre le premier essai. Y allait avec une passe voilée du côté des Gaulois. C'est incomplet. Deuxième essai, 20 à faire. Et on veut entendre le 13e joueur. On se prépare. On fait du bruit, on encourage la défensive.
Très belle couverture, le numéro 5, Émile Bouchard, qui n'a laissé aucun espace et qui a failli faire l'interception. Le numéro 6, pardonnez-moi, Mathis Autain. Donc, troisième essai, 20 verges. On veut entendre le 13e joueur. On fait du bruit, on encourage les gaillards! Et la pression était très forte. Le ballon presque intercepté par le secondaire, le numéro 27, Maxime Girard. Mais la passe est incomplète. Quatrième essai 20. Les Gaulois devront dégager. Au retour, numéro 88, Cédric Plourde qui sécurise le ballon. Et l'offensive s'amène encore une fois avec un excellent positionnement sur le terrain. Il y a une pénalité sur le jeu. Pénalité contre la Pocatière. Et les Gaillards qui débutent leur séquence offensive au 45 en territoire adverse. Ballon porté par le numéro 2, Samuel Paquet-Louis. Coquin sur le jeu, deuxième essai. Deuxième essai, 8. Ballon porté en plein centre par le numéro 7, Red Ball Keta. Courquin sur le jeu, ce sera donc un troisième essai. Belle réaction défensive du côté des Gaulois, le numéro 46, Zachary Roy. L'unité de portée de dégagement des Gaillards s'amène sur le terrain. Et quelle beauté, mesdames et messieurs!
Samuel Paquette-Louis, l'ont botté avec la hauteur, qui sort en touche profondément en territoire adverse. Et la défensive s'amène sur le terrain avec un excellent positionnement. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass brawl, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Et on veut entendre un maximum de bruit pour la défensive! La passe est incomplète. Passe tentée vers le numéro 24, Isaac Lafrance, incomplète, deuxième essai, 10. Et on va entendre du bruit, on encourage les gaillards! Passe captée par le numéro 24, Isaac Lafrance. Il y a une pénalité dans la zone de l'attrapé. Sexy and I know it. Yeah, when I'm at the ball, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service, watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Et la pénalité contre les Gaulois. On recule et on se prépare, on veut entendre un max de bruit pour la défensive. Sexy and I know it. Pénalité contre les gaillards. Il y a une pénalité sur le jeu. Pénalité contre les gaillards. Avoir saisi le protecteur facial. Et on se prépare, ça va siffler, on veut entendre du bruit, on encourage à dépasser. Et le ballon est intercepté pour une deuxième fois du match. Derek Martel qui récidive. Et ce sera un premier jeu gagnant. This is true, and I owe it all to you.
Ballon porté par le numéro 7, Red Ball qui est à un gain de 2 verges. Deuxième essai, RIP. Passe captée par le numéro 11 des Gaillards, la recrue Enzo Dioulou. Ce sera donc un troisième essai. Et c'est bon pour un premier jeu! Gaillard, le numéro 7, Red Ball Keta, qui va d'une belle manœuvre et qui gagne beaucoup plus que le premier jeu demandé. Le ballon est échappé. Il y a une pénalité dans la tertiaire. C'est passé au niveau de l'échappée. Et c'est bon pour un premier jeu! Kaya! Ballon à nouveau porté par le numéro 2, Samuel Paquette. Louis, pénalité sur le jeu. On va saisir le protecteur facial, c'est contre les Gaulois. Ce sera donc le premier jeu gagnant. Thank you.
Belle réaction du côté du front défensif des Gaulois. Redval n'a nulle part où aller. Troisième essai. Passe tentée vers le numéro 7, Redval Kétar. La passe est incomplète. Quatrième essai. Et le mode déplacement est réussi. On ajoute 3 points. La marque est maintenant de 22 à 5 pour les Gaillards. C'est maintenant le moment du temps mort des 3 minutes. Et on en profite pour vous remercier de votre présence au match d'aujourd'hui. Et on vous invite au prochain match, samedi le 2 octobre, contre le Cégep de Beauce-Appalaches. Vous pouvez suivre tous les détails sur la page Facebook Football Gaillard. Et on fait du bruit pour la défensive! Passe captée par le numéro 24 des Gaulois, c'est bon pour un premier jeu. 2 minutes 34 à faire au match. Et notre défensive a besoin d'encouragement. On fait du bruit pour les Gaillards! C'est sifflé, on va entendre le 13e joueur, on encourage la défensive! Et la pression était très forte, tout le monde en voulait! Le front défensif est au rendez-vous, perte de terrain! Temps mort demandé. Deuxième essai.
Et j'en profite pour souligner l'anniversaire de mon collègue et ami, Monsieur Dave McMahon. Avant de quitter le stade, vous lui souhaiterez bonne fête. Belle réaction défensive du numéro 23, Charles-Antoine Gay, qui pousse le receveur en touche pour limiter les dégâts. Ce sera donc le troisième essai. On va avoir besoin du 13e joueur. On se prépare quand ça siffle. On veut vous entendre jusqu'à ce que le ballon lève. On veut entendre un maximum de bruit. On encourage la défense. Ballon capté par le numéro 24, Isaac Lafrance, qui connaît tout un match aujourd'hui. C'est bon pour un premier jeu gaulois. Passe incomplète. Il y a une pénalité dans le champ arrière. Passe captée par le numéro 24, Isaac Lafrance. Un gain d'environ 10-11 verges. Oh, beaucoup plus, pardonnez-moi, 13-14 verges. On encourage la défensive! Escarté par le numéro 29 des Gaulois, Carl Druard. Très long jeu, on s'amène à la porte des buts. Et on veut entendre du bruit, on encourage à défensive, on fait du bruit! Et on se reprend. On veut entendre un max de bruit, quand ça siffle, on fait un max de bruit jusqu'à ce que le ballon lève. On se prépare, on se prépare. C'est sifflé, on fait du bruit. Et la passe est presque interceptée par Félix Tremblay, le numéro 1. Deuxième essai. So throw your hands up high.
Et la passe est incomplète. Troisième essai. Un grand troisième essai. C'est sifflé, on encourage la défense. Et c'est bon pour un touché gaulois, le numéro 24. Isaac, la France. La transformation est réussie. La marque est maintenant de 22 à 12 en faveur des Gaillards. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What, sorry, just quickly, what if it's da 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 da. Un Bottecourt du côté des Gaulois et très bon jeu du numéro 25 des Gaillards, Mathis Tremblay, qui attrape le ballon, il sécurise le jeu, se couche par terre. Et avec 1 minute 6 à faire au match, 22-12 pour les Gaillards, l'offensive qui s'amène. On flash à gauche, on tourne à droite, c'est comme ça que ça se passe au Québec. On fait ça à la bonne franquette. On mène toutes nos vies à fond, très peu importe où. Mais le destin, on vire d'un bord, on vire de l'autre. On se ramasse jamais où ce qu'il faut. On manque de gaz, on couche dehors. On finit tous les deux bords. On veut juste le meilleur du pire. Et pour le reste, juste du plaisir. On fait ça à la bonne franquette. On fait ça à gauche. Ballon porté par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis, un gain de 3 verges. Deuxième essai.
plus jeunes que nos enfants, c'est pas grave parce qu'on les aime tant. Des fois, une grosse décale tout croche, plus une scène qui draine dans nos poches. La grosse vient d'écrire, puis son sac, ça sent l'arnaque, pas ta marnaque. On fait ça à la bonne franquette. On fait chaque cochon, tourne à droite. C'est comme ça que ça se passe au Québec. On fait ça. Très belle course du numéro 7, Red Ball, qui est en, c'est bon pour un premier jeu, Gaillard! Et on vous remercie à la fin du match de ne pas embarquer sur le terrain, de bien vouloir aller attendre les joueurs à la sortie du stade à votre gauche. Je pense qu'on peut offrir une bonne main d'applaudissement aux deux équipes pour la partie d'aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous le 2 octobre. Les Gaillards recevront le cégep de Beauce-Appalaches. Like on my car, jump out that sofa. Come on, let's get on. Fill
let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up, and do it, and do it, and do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it, do it, do it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.